entre les personnes intéressées à faire donc cette opportunité. On parle d'opportunité, on parle de monsieur, madame, tout le monde, on parle vraiment d'accessibilité à la souveraineté financière, notamment de par le biais de la décentralisation, puisque c'est un sujet ô combien important en ce moment même. Donc la décentralisation grâce à la société Zénith et la société Saphir, donc qui est la société qui distribue de manière exclusive les produits de Zénith Technologies. D'accord? Alors, avant tout, une clause de non-responsabilité. Attention à la responsabilité, c'est je ne suis pas un conseiller financier en vous présentant cette opportunité, bien sûr, où on voit ici ben, des documents qui sont des documents de travail à l'interne. Et ces documents-là, eh bien, ne sont qu'à titre d'information. Recording in progress. La clause de non-responsabilité étant très importante puisqu'elle engage seulement votre responsabilité à vous si vous êtes bien sûr eh bien, intéressé par ce concept. D'accord? Alors, il y a également une deuxième clause qui notifie notamment les risques associés aux crypto-actifs. D'accord? Donc, les crypto-actifs, attention, c'est encore quand même un marché à risque, bien sûr, hein? On ne va pas se le cacher. Il y a des risques, mais il y a des risques également partout dans la vie. Donc, on aille le matin chercher le pain chez le boulanger, on prend un risque, hein? On peut se faire écraser, on peut avoir un accident, enfin, bref, on se comprend. Ici, ce qui est important quand même de savoir, c'est que ben, le marché des crypto-monnaies, ben, il y en a plus de 10 000, je crois, dans le monde. Et c'est un marché qui est pas évident à comprendre. Donc ici, je vous propose donc de voir eh bien, quelque chose, on va dire, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la spéculation sur les marchés. Là, vraiment, on a quelque chose de tangible, on a quelque chose de réel, on a quelque chose vraiment qui apporte vraiment une réelle économie derrière eh bien, les crypto-actifs que nous allons voir ensemble. D'accord? Ceci dit, je vais aller directement donc sur le plan de rémunération, puisque ce n'est pas une présentation, mais c'est un workshop. Donc, sur le plan de rémunération de la société, vous savez, il y a trois bonus. Hein? D'accord? Donc, on utilise le marketing de recommandation. Alors, les amis, il est très important de comprendre une chose, c'est que les revenus que vous allez peut-être engendrer, que vous allez peut-être gagner dans cette société, dans ce concept, eh bien, vont être définis par votre travail et votre travail et votre travail. D'accord? On va dire que ici, eh bien, il incombe à monsieur, madame, tout le monde qui veut vraiment également participer à cette opportunité, eh bien, de se dire, voilà, si je participe à temps plein, eh bien, j'aurai peut-être plus de revenus que si je participe à temps partiel, hein? Ou si on peut mettre de côté 1 heure ou 2 par semaine ou 1 heure ou 2 par jour, eh bien, ça fait quand même une différence. Donc ici, le marketing de recommandation, qui est, on va dire, un système qui existe depuis hein, très très longtemps, on va dire depuis la nuit des temps, puisque le fait de recommander un produit ou de recommander un service à quelqu'un, eh bien, a toujours permis, bien sûr, à celui qui a créé le produit ou le service de se développer. Mais généralement, eh bien, pas vraiment à celui qui promotionne. Alors, le marketing de recommandation va bien vraiment donner à tout le monde, eh bien, selon son travail, selon son implication, selon, eh bien, son focus sur l'activité, eh bien, des revenus complémentaires. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que monsieur, madame, tout le monde peut obtenir des revenus complémentaires à temps plein, à temps partiel, grâce à cette opportunité, puisqu'on parle ici du système de distribution le plus ingénieux du monde, le bouche à oreille, n'est-ce pas? Alors, avant tout, la société Saphir a ses bureaux au Burj Khalifa à partir de décembre. Ils sont en train d'aménager le 147e étage de la Burj Khalifa à Dubaï. Et on peut être fier de cela parce que quand même, pour avoir tout le niveau 147 à Dubaï sur la Burj Khalifa, eh bien, voilà, c'est quand même prestigieux, on va dire, parce que la société vraiment
a des accords, on va dire, avec eh bien, le gouvernement, la société même, Saphir, Zenith, donc, qui travaille au niveau d'une blockchain qui va être et qui est déjà, on va dire, en passe d'être utilisée sur les Émirats arabes unis, notamment pour faire des économies dans l'industrie, l'administratif et tout ça. Ça, on le sait. Alors, 147e étage, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à cela. En fait, à l'intérieur, avec, on voit ici le prince Saïd bin Hacher Al Maktoum, le cheikh, avec des matériaux très, très futuristes, on va dire, hein, puisque là, ici, ben, vous savez, pour avoir un bureau à Burj Khalifa, il faut avoir des matériaux assez spéciaux pour pas qu'il y ait d'incendie, il faut pas que ça facilite, on va dire, le feu et tout ça. Donc, c'est très, très pointilleux. Et, eh bien, ça va être quand même quelque chose de magnifique, je pense, d'ici décembre. Donc, ceux qui participent au Global Summit de décembre participeront normalement à la visite, à l'ouverture donc des bureaux. Alors, c'est facile, l'adresse, si vous ne savez pas où c'est, il suffit de lever les yeux. Regardez Burj Khalifa 147. 147 Burj Khalifa, vous allez trouver l'adresse et ça sera là, là-haut. Voilà. Donc, ouverture prévue décembre 2022. Maintenant, passons dans le vif du sujet. On parlait de chiffres. Et maintenant, je pense que quand on parle de chiffres, eh bien, je sais que ça peut, on va dire, eh bien, faire rêver pas mal de gens. Et je ne suis pas là pour vous faire rêver, mais je suis là pour vous donner la réalité des choses par rapport à trois bonus, on va dire. Hein, trois bonus, trois modes de rémunération à l'intérieur de la société, puisqu'on va parler ici non pas d'un binaire, où il faut mettre à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, mais sur un unilevel, d'accord? Basé, lui, axé, lui, plus sur la vente des produits, hein, dans le réseau. Voilà. L'unilevel, ici, il est, on va dire, il est rémunéré sur 15 niveaux en profondeur, mais avec une possibilité d'aller chercher encore des niveaux supplémentaires, puisque il existe une compression dynamique. Et cette compression dynamique va permettre, bien sûr, à tout un chacun d'avoir le plein potentiel de ces 15 premiers niveaux. Alors, il faut savoir une chose, et ça, c'est très important. La société Saphir ne demande aucune licence, ne demande aucun paiement mensuel. Il n'y a pas d'autochip, il n'y a pas de licence d'enregistrement pour pouvoir faire partie de l'opportunité. Tout simplement, ceux qui veulent en faire partie peuvent s'inscrire par le biais d'un lien, bien sûr, d'inscription. Nous avons de belles pages également de capture, hein, qui sont dans votre back-office. Et quand vous cliquez sur votre lien de parrainage, vous avez normalement deux ou trois liens qui s'ouvrent avec les différentes pages, celle de Saphir, celle de Zénith. Et sachez une chose, les amis, ce qui est vraiment important, et moi j'ai beaucoup utilisé cette technique, c'est que, en fait, tout le monde peut s'inscrire gratuitement, ça c'est clair, et tout le monde peut gagner des revenus sans avoir à débourser ne serait-ce qu'un centime dans la société. Et comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Vous voyez le premier niveau à 10%? Eh bien, tout le monde, tout le monde, tout le monde a droit à ce premier niveau à 10%. OK? Que l'on commence maintenant, que l'on commence dans un an, et que l'on achète un hub ou que l'on n'achète aucun hub, eh bien, on a de toute façon les 10% qui nous sont rémunérés. Alors, 10% de quoi? On parlait tout à l'heure des ventes. Eh bien, 10% des ventes sur votre premier niveau. OK? Alors, 10% des ventes sur votre premier niveau, ça représente quoi? Eh bien, c'est simple. Si on prend par exemple un petit tableau blanc, et vous allez me dire si vous voyez mon tableau. Voilà, normalement c'est bon. Alors, le premier niveau, c'est quoi? C'est bien sûr vous qui êtes ici dans la société en vous inscrivant avec votre lien de parrainage, d'accord? De votre parrain, de votre sponsor. Eh bien, le premier niveau, c'est-à-dire toutes les personnes que vous allez affilié que vous allez recommander, hein, à la compagnie, à un moment donné va être un client, puisque cette personne-là va acheter peut-être une machine, hein, ou une fraction de hub, ou un iFiber,
Okay? À ce moment-là, ce niveau-là, eh bien, c'est votre premier niveau, bien sûr. Donc, vous avez un premier direct, une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne, une cinquième personne et une sixième personne, par exemple, sur l'exemple ici. À chaque fois que ces personnes-là vont racheter ou vont acheter des produits de Zenith ou des services, vous allez à gagner ici 10% sur leurs achats. OK, premier niveau. D'accord? Voilà. Donc, le premier niveau, il est gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes chances. Tout le monde a la chance identique à une autre personne, que ce soit dans n'importe quel pays du monde entier. Si on n'a pas d'argent pour acheter un hub ou une fraction de hub, eh bien, on peut quand même gagner de l'argent dans la société Saphir sans avoir déboursé 0 franc. D'accord? Donc, vous, vous êtes là. Vous n'avez rien acheté? Pas de souci. OK. Maintenant, vous parrainez une personne et cette personne, elle achète un hub, 1 500 €. Eh bien, vous gagnez 150. Voilà. Instantanément, directement, tout de suite, là, maintenant, boum, cash, 150 €. Et ça, c'est pour vous. D'accord? Avec 150 € maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, vous pouvez acheter une fraction de hub. Vous pouvez commencer à minter. Vous pouvez commencer à produire, hein, de la crypto de cet écosystème Zenith. La deuxième personne aussi, peut-être qu'elle va acheter un autre hub ou un iFiber ou un, peu importe, un Toupan. Eh bien, encore une fois, vous allez gagner 10% sur son achat. Et à chaque personnel direct que vous allez avoir, vous prenez 10%. Et ces 10%-là, alors justement, c'est là où c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est que ces 10%-là, ils sont, on va dire, instantanés. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser tout de suite. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez acheter des produits. Vous pouvez les envoyer même à quelqu'un. Vous pouvez, les envoyer sur votre wallet crypto, que ce soit en Bitcoin, Litecoin, Ethereum, peu importe. Et vous pouvez disposer de votre argent quand vous voulez. Alors, revenons sur le tableau ici où il y a les 15 niveaux. Le premier niveau, on vient d'en parler, c'est 10%. Mais le deuxième niveau va faire que vous allez avoir un 7% additionnel. Alors, le deuxième niveau, bah, les amis, c'est qui le deuxième niveau? Qui sont les personnes de votre deuxième niveau? Bah, les personnes de votre deuxième niveau, ce sont les personnes que vos filleuls directs vont affilier à la société. Il se peut que lui aussi, il en ait 3, 5, 10, 20, 100, peu importe. C'est votre deuxième niveau. D'accord? Et sur votre deuxième niveau, vous allez avoir combien? 7% additionnel. Quand je dis additionnel, c'est additionnel au 10%. Donc, 7% de quoi? Ben pareil, des ventes de votre deuxième niveau. Et ainsi de suite, vous allez créer une synergie dans votre équipe. Vous allez envoyer des personnes avec les présentations. Vous allez faire en sorte que vous allez aider vos personnes à savoir inviter sur les présentations. Ça serait intéressant aussi de voir un workshop sur les invitations, comment les faire de manière professionnelle. Mais regardez, ça constituera votre troisième niveau. D'accord? Et on sait que le troisième niveau, lui, il vous rémunère 5% supplémentaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir du développement dans vos équipes en profondeur, eh bien, vous prenez un pourcentage. Okay, le quatrième niveau, vous prenez 4% additionnel. Les amis, ce qui est vraiment puissant dans l'unilevel de Zenith et Saphir, c'est que, par exemple, cette personne-là, le numéro 4 que vous avez sponsorisé, elle va peut-être s'inscrire aujourd'hui, mais elle va peut-être acheter un iFiber dans une semaine. OK, ça vous fait 10%. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais elle va peut-être revenir dans un an. Et dans un an, elle va acheter, par exemple, une machine d'un projet minting. Par exemple, Toupan. Hein, je vous donne un scoop. Si vous voulez un scoop ce soir, Toupan sera au Salon de l'aviation à Dubaï dans quelques jours, hein, un mois et demi, on va dire.
Et Toupane également va apporter d'autres projets. Il y a 67 brevets en attente chez Toupane, qui est régulé par la SEC, qui a le token vert, le token ESG, hein, environnemental, avec bien sûr une économie derrière sur les crédits carbone. Cette personne-là, quand elle va acheter par exemple une nouvelle machine de Toupane, on va dire la machine hybride, j'invente, j'extrapole, mais une machine hybride de Toupane, dans 1 an peut-être, ou dans 2 ans, eh bien encore une fois, vous allez gagner 10%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de temps dans les gains que vous pouvez faire dans l'Unilevel. Plus vous vous constituez un portefeuille de promoteurs clients, eh bien, plus à chaque fois vous êtes rémunéré. Et cette rémunération, franchement, elle est super intéressante puisqu'on parle ici de 15 niveaux. D'accord? Donc, j'espère que pour vous, c'est un peu plus clair maintenant, l'Unilevel. Alors, ça va jusqu'à 15 niveaux, mais regardez, pour un rubis, déjà, vous débloquez 4 niveaux. Pour un double rubis, 5 niveaux. Pour un saphir, 6 niveaux. Et une fois que vous les avez débloqués, c'est ça l'avantage vraiment de Zenith, c'est que Saphir, c'est que vous les avez à vie. Il n'y a pas de nouvelles qualifications à faire pour toucher les niveaux que vous avez déjà débloqués. Donc c'est vraiment quelque chose vraiment de puissant, d'équitable, on va dire, et qui permet à tout le monde, eh bien, de pouvoir se constituer un capital revenu ou un résiduel. Je parle d'un résiduel pas mensuel ici, je parle d'un résiduel journalier. D'accord? C'est parce que à la seconde même où les personnes font un achat dans votre généalogie, dans votre arbre généalogique, dans vos downlines, eh bien, vous êtes rémunéré. Voilà, instantanément. Cash out, direct sur le back office. Vous envoyez ça sur la carte de débit, bien sûr, elle est maintenant disponible déjà pour l'Europe. Et vous allez au restaurant le soir avec votre famille. Génial, hein? Alors, ici, compresseur dynamique, ben, ça remonte. Compresseur dynamique, c'est que si par exemple dans le cinquième niveau, il n'y a aucun achat, on prend le sixième niveau, le volume, on le met au cinquième niveau, et le septième niveau, on le monte au sixième niveau. Et c'est ça la compresseur dynamique. Ça remonte jusqu'à vous. Ça veut dire que vous êtes gagnant sur toutes les situations. Vous êtes gagnant à chaque fois qu'une personne fait un achat. Vous êtes gagnant même si dans les niveaux, il n'y a pas d'achat. Vous êtes gagnant à l'instant T où la personne a passé son achat. Et vous êtes gagnant dans le fait que à l'instant T même, vous pouvez disposer de votre argent. Il n'y a pas de jour de paiement. Voilà. D'accord? Maintenant, le deuxième niveau, le deuxième bonus, pardon. On va parler ici d'un bonus de carrière. Pourquoi carrière? Parce que tout simplement, les personnes, en fait, qui, on va dire, prennent cette opportunité au sérieux. Hein, je sais qu'on est tous des gens sérieux ici, mais il y a des gens qui sont un petit peu plus sérieux que les autres et qui prennent cette opportunité un peu plus sérieusement que les autres. Ça veut dire que ces personnes-là veulent entamer un plan de carrière, c'est-à-dire elles veulent faire carrière dans la société, d'accord? Et aller chercher vraiment, on va dire, des revenus à 6 chiffres, 7 chiffres, voire même. Hein, même si ce n'est pas plus. Alors, ça commence au rang de premium, en débutant, on va dire. Débutant, ce sont les deux niveaux qui sont là en haut, où vous avez un bonus de 15 euros, et le deuxième niveau au-dessus, hein, où vous avez un bonus de 75 euros. Alors, pour atteindre ces niveaux-là, il n'y a rien de plus simple. Je pense que tout le monde est capable de parler à deux personnes de l'opportunité avec enthousiasme, avec... également, ou de les inviter tout simplement sur les présentations, eh bien, vous allez réaliser 1 500 euros de vente dans votre équipe, eh bien, génial, vous allez passer avec deux directs seulement, eh bien, le niveau premium avec un 15 euros de bonus. Vous allez me dire, ouais, mais toi, 15 euros, bah, c'est pas grand-chose. On est d'accord, mais c'est un début, dans le sens où le niveau supérieur vous donne 75 euros. Si vous accumulez des ventes jusqu'à 5 000 euros dans vos organisations, avec cette fois-ci 4 personnels en direct que vous avez sponsorisés, affiliés, d'accord? Franchement, 4, moi j'en ai vu qui ont fait 4 personnels dans la première journée et qui ont déjà décroché ces 15 euros plus les 75 euros ici, hein, avec directement, eh bien,
quatre personnes et seulement, on va dire, trois ou quatre hubs, eh bien, de vendus dans son organisation. Donc, ça, c'est vraiment faisable. Après, quand on parle de plan de carrière vraiment un peu plus sérieusement, eh bien, les amis, là, c'est si vous voulez vraiment aller chercher les rubis, double rubis, saphir et ainsi de suite. Alors, il y a des rangs, bien sûr, et des rangs qui sont également, on va dire, adossés à un volume minimum de ventes dans vos organisations. D'accord? Alors, sur le tableau ici, vous voyez les volumes de ventes qui font que pour un rubis, par exemple, eh bien, il vous faut réunir quelques conditions. C'est-à-dire, la première condition, c'est d'avoir au minimum sept filleuls directs, c'est-à-dire sept personnels. OK, première condition. Deuxième condition, c'est d'avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'organisation, y compris votre volume personnel à vous. D'accord? Si vous avez un hub, ça compte pour 1 500 déjà. Super, hein? Il restera bien sûr bien le reste. D'accord? 8 500 à faire avec vos équipes. Alors, 7 directs, on peut dire que oui, si vous avez 7 directs, c'est clair que vous aurez du développement, puisque les 7 directs, déjà, si elles-mêmes prennent un hub à 1 500, ben, là, ça y est, c'est gagné. Vous serez rubis avec 7 directs et 1 500 à chacun. Donc, comptabilisez le tout. Si vous atteignez 10 000, fantastique, vous êtes un rubis. Et quand vous êtes un rubis, vous avez plusieurs avantages, mais les deux avantages importants, c'est que, un, vous touchez une prime de rang en tant que rubis de 300 euros. OK? 300 euros, ça, c'est payé rubis sur ongle instantanément. Dès que vous atteignez le rang, boum, vous touchez la prime. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que vous avez également une étoile. Alors, cette étoile, on va dire que c'est très, très intéressant puisqu'on va parler ensuite du troisième bonus qui est le pool bonus, bonus de performance, qu'on appelle ça aussi, avec les différentes parts du pool dont la compagnie va partager ses bénéfices. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, la prime de rang, 300 euros, c'est déjà bien. Plus 15, plus 75. Le rang supplémentaire au-dessus, c'est quand vous allez accumuler 20 000 euros de vente en totalité. On ne vous demandera pas de faire 20 000 supplémentaires. On vous demandera juste de faire 10 000 supplémentaires, puisque c'est juste la différence entre le rang de rubis où vous avez déjà fait les 10 000 et le rang de double rubis où il faut 20 000 en totalité. D'accord? Donc là, ici, les amis, réfléchissez un peu, regardez bien. Avec 20 000 euros de vente minimum et 12 personnels en direct, et après, vous allez voir que ça va être très facile, hein, on va rester à 12 un petit moment. Mais de 7 à 12, c'est clair que là, ben, il vous en faut un petit peu plus que le rubis, mais tout simplement énormissime au niveau de la prime, puisque vous doublez votre prime. Donc ici, au lieu de prendre un autre 300 euros, vous allez prendre un 600 euros additionnel, hein, additionnel, puisque vous avez déjà 300 euros dans la poche, plus 600 euros. Et là, cette fois-ci, vous avez deux étoiles. Donc vous doublez votre bonus d'étoile. D'accord? Et si vous faites bien le calcul, lorsque vous avez, par exemple, ici sur le double rubis, 20 000 euros de chiffre d'affaires, on vous donne quasiment, on va dire, alors 10, 3% déjà, plus 3%, 6%, d'accord? Supplémentaire par rapport à rubis. Et saphir, c'est combien? C'est 3 000. Et double saphir, c'est 9 000. Saphir, black saphir, c'est 15 000. Toutes ces primes-là sont accumulées. D'accord? Jusqu'à diamant, 40 000. Et regardez le nombre d'étoiles, comment ils montent de manière fulgurante. De une étoile à 2, à 10, à 20, à 40, à 80 étoiles. Double diamant, 110 étoiles. Triple diamant, 150. Avec 150 000, plus 80 000, plus 40 000. Si vous prenez, par exemple, un petit schéma vite fait. Lorsque vous êtes un diamant, vous devez réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Hein? On est d'accord, si on connaît bien notre plan de REM, le diamant, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut 13 directs minimum. Alors, ce n'est pas obligé que ce soit des directs avec un hub à 1 500. Vous pouvez avoir des directs ici avec un hub non seulement à 100 euros. OK? L'important, c'est vraiment qu'il soit actif, au moins. Hein? Direct actif. Actif, c'est 100 euros minimum, avec une fraction de hub. D'accord? Mais revenons au diamant.
Si, par exemple, vous prenez le rang de diamant, et là, je vais prendre un petit tableau pour vous montrer un petit calcul sympa. Et si on reste sur cette image-là, par exemple, on va visualiser, on va essayer de retenir le volume du diamant, donc 1 million d'euros, OK? Et vous avez une prime de 40 000, d'accord? Mais si vous avez été diamant, donc vous êtes diamant, c'est que vous avez été saphir, black saphir, double saphir, saphir, double rubis et rubis. Donc, si on fait le calcul, on est à peu près à 67 000 euros de prime, on va dire, de ranking. OK? Prime de ranking. N'oubliez pas, tout à l'heure, dans l'Unilevel, je vous avais dit que le diamant allait toucher sur 9 niveaux en profondeur, 10%, plus 7%, plus 5%, plus 4%, plus 4%. Allez, on va dire, si on fait le calcul de tous ces levels, au niveau des pourcentages, on a 17, 20, 29, 32, 34, 35, plus 1, 36%. Allez, on va dire, on a 36% quasiment sur la totalité du diamant, mais on va dire 30%. OK? Donc, si je reviens à ce petit tableau, j'espère que vous le voyez, pour le diamant, vous avez 1 million de chiffre d'affaires. Si on répartit, on prend au minimum, hein, je prends vraiment large au minimum, vraiment, hein, pour ne pas gonfler les chiffres. 30% d'un million, ça vous fait quasiment du 300 000. OK. 300 000, rien que l'Unilevel. OK, l'Unilevel. Ensuite, je vous avais dit 67 000 pour le rang de carrière, hein, diamant. 67 000. OK. Maintenant, les étoiles en tant que diamant, c'est combien d'étoiles? Il me semble que c'est... Alors, je vais revenir sur mon plan de rémunération. Alors, peut-être que vous savez, vous ne savez pas, le diamant, c'est 80 étoiles. Hein. Pour le saphir, c'est 40 étoiles, mais pour le diamant, c'est 80 étoiles. Admettons que l'étoile, elle est, allez, on va dire à 10 euros, ce qui est vraiment le minimum, puisqu'on sait que le mois dernier, les étoiles, eh bien, avaient explosé les scores. Et par exemple, un saphir s'en est sorti avec... confirmé, on va dire un saphir confirmé, s'en est sorti avec 750 euros, rien que pour le bonus d'étoile, 750 euros pour le bonus d'étoile, pour un saphir, okay, qui avait 10 étoiles. On va dire la part à 75 euros pour un saphir qui a 10 étoiles, ok, 750 euros. Maintenant, si on prend la part à 10 euros pour un diamant, donc vous rajoutez 10 fois 80. Donc ça fait combien? Ça fait 800 euros. On est d'accord? J'enlève ça fait 800 euros. Faites le calcul un peu, 367 plus 800. Hein? 367 800. Right? Maintenant, si vous faites un calcul comme ça avec un plan binaire, par exemple, on va comparer ce qui est comparable, parce que les plans binaires, si vous avez 1 million de points, ça veut dire qu'il vous faut 500K à gauche, 500K à droite. On est d'accord? Sur les 500K, déjà, généralement, quand il faut équilibrer, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'équilibrer comme ça. Hein. Donc, si vous avez les 500K à droite, on vous donne quasiment, hein, on va dire, 10% hein, de la part faible, généralement, les binaires. Ça vous fait quoi? Ça vous fait 50 pauvres petits 1000 euros. Right? Regardez la différence par rapport à tout ce que vous pouvez gagner ici. Bon, après, c'est clair qu'il y a d'autres bonus, mais bon, ah, 367 000, c'est quand même... beaucoup plus intéressant que 60 000 ou 70 000, si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Donc, ce qui est vraiment puissant dans ce plan de rémunération, c'est que dès les premiers rangs, vous pouvez vraiment aller chercher un revenu complémentaire. OK? Et ce revenu complémentaire, il est dispatché de par l'Unilevel instantanément payé, de par le rang de carrière instantanément payé, et avec aussi, également, bien sûr, le bonus pool. Mais regardez, dans le rang de carrière, je vais juste vous montrer autre chose. D'un rubis à un double rubis, à saphir, on avait dit que vous accumulez les volumes. OK. Ça, c'est une très bonne chose. La deuxième très bonne chose, c'est que vous ne perdez jamais ces volumes. C'est que vous pouvez commencer maintenant, vous arrêter 6 mois, reprendre l'activité et avoir du volume. Vous allez de toute façon passer les rankings, puisque vous allez accumuler vos volumes à chaque fois que vous avez un chiffre d'affaires qui rentre dans votre organisation. Voilà. Un plan, comme je vous ai dit, les amis, unique. Un plan unique, un plan qui paye instantanément, un plan qui paye énormément, puisqu'on parle ici seulement de trois bonus. Il n'y a pas de bonus
bling bling, comme je les appelle, les bonus de voiture, les bonus d'iPad, les bonus d'iPhone. Non. Qu'est-ce qu'ils recherchent les gens généralement? Ben, c'est de gagner de l'argent, pas de gagner des iPhones. Pas de gagner des voitures que on va payer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, quand on ne fait plus le rang, la compagnie vous dit qu'il faut rendre la voiture, parce qu'elle n'est pas à vous, en fait. Elle est en leasing, elle est payée mensuellement. Là, ici, je vous parle de gagner de l'argent. Et quand on regarde ce plan de rémunération ici sur le plan de carrière, si vous allez jusqu'au bout de la course ici, en double gold diamant, vous pouvez faire 2,5 millions d'euros au rang de double gold, mais vous aurez accumulé 1 million supplémentaire puisque vous avez été gold diamant. Vous aurez accumulé 500 000, plus 300 000, plus 150 000, plus 80 000, jusqu'au petit rang ici de premium avec les 15 euros. Donc, si vous faites le calcul de tous les rangs en arrivant jusqu'au bout, vous avez 4,5 millions accumulés en commission. Je parle de commission. Je ne parle pas de volume. Je parle de commission payée dans votre poche. Maintenant, qui va atteindre double gold diamant? C'est peut-être pas tout le monde. On le sait. On ne va pas se voiler la face. On ne peut pas dire que tout le monde va atteindre ces rangs-là. Mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est faisable par tout le monde. Bien sûr, il faut du travail. Il n'y a pas de rémunération sans travail. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Ici, le rang de carrière, en fait, pour moi, c'est un booster. Et quand la compagnie, par exemple, vous donne 67 000 euros quand vous atteignez diamant, c'est 67 000 plus 300 000 plus le reste. Et là, vraiment, avec ça, ça peut vraiment changer la vie, comme on dit. Ça peut mettre du beurre dans les épinards de pas mal de gens. D'accord? Autre chose maintenant, le bonus performance. J'en parlais des étoiles, eh bien, on va en parler maintenant. On a un rubis à une étoile, un double rubis 2 étoiles, un saphir 10 étoiles. Là, ça commence à monter assez vite. Le rang de saphir, bien sûr, est un peu un rang charnière qui va permettre de passer de 2 à 10. Et là, vous entrez dans les dizaines. Et là, vous êtes à 20, 40, 80, 110 et plus, jusqu'à 500 étoiles pour le double gold diamant. Alors, la compagnie, elle a dit, OK, on gagne de l'argent, ben vous gagnez de l'argent encore plus aussi. C'est une situation win-win, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant ici. C'est-à-dire que plus la compagnie va performer, plus ce pool va être intéressant, plus ces 10% de la compagnie vont être importants, et plus les étoiles également vont être importantes pour vous, pour tout le monde. Et mais pour ceux surtout qui sont capables d'aller chercher les parts du gâteau et la cerise sur le gâteau. Comme j'aime bien dire, dans ce pool bonus, tout le monde est capable de faire rubis un jour, tout le monde est capable de faire saphir, tout le monde est capable de monter le ranking avec des nouvelles étoiles. C'est-à-dire que tout le monde est capable de participer à ce, on va dire, ce premier pool ici, là, que j'entoure ici, où on met que toutes les personnes ici peuvent avoir ça à partir du rang de rubis. OK. Par contre, ici, ce n'est pas la même histoire, parce qu'ici, il va falloir peut-être travailler un petit peu plus. OK? Et je vais vous expliquer par un exemple comment est-ce que vous pouvez gagner vraiment un maximum ici sur le pool bonus. Alors, l'important ici, comme je l'ai dit, c'est déjà d'être dans ce tableau-là. Parce que ici, toutes les personnes, par exemple, si on prend une part d'étoile à 7,14 €, okay, comme c'est mentionné ici, la valeur d'un share point, 7,14 €, eh bien, toutes les personnes qui sont qualifiées rubis vont avoir une première étoile à 7,14 €. Donc, c'est-à-dire 7,14 €. D'accord? Mais ici, on prend l'exemple d'un saphir. Alors, un saphir, lui, il a 10 étoiles. 10 étoiles, ben, déjà, le saphir, lui, obligé, il est qualifié déjà ici dans le premier pool. OK? Donc, il a déjà 10 fois cette part-là. Puisque c'est une étoile à 7,14, il a déjà 10 fois 7,14, il a déjà 71,40 euros de commission dans le mois qui vient, qui suit. D'accord? Maintenant, ce saphir, lui, il se dit, ben moi, j'ai envie de gagner 20 fois 10 aussi, parce que la part numéro 2 ici, elle est à 20 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ces 20 fois 10? C'est simple. Dans le mois en cours, si vous êtes capable de faire 4%, et les amis, je peux vous dire 4%, c'est faisable, vraiment. Je comprendrais le 8%, c'est un peu plus compliqué, mais le 4%, c'est vraiment atteignable et beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires
dans le mois de novembre, eh bien, ont perçu le 10 ou le 11 novembre, eh bien, cette deuxième part plus la première part. Parce qu'ici, faut bien comprendre une chose. Faut pas oublier que toutes les parts qui sont là sont payées à tout le monde, qui sont qualifiées rubis ou saphir ou plus. Et la part numéro 2, elle est additionnelle. Si vous êtes capable de faire 4% du chiffre d'affaires du saphir, OK? 4%, c'est quand même, c'est quoi? C'est 4 000. OK? Sur les 100 000 du chiffre d'affaires du saphir, c'est 4 000. 4 000, les amis, c'est quoi? C'est 3 hubs dans le mois. Est-ce que vous êtes capable, dans votre organisation en performance, de faire 3 hubs? Je pense que oui, je pense que tout le monde est capable de le faire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont fait, hein? Et toutes les personnes qui l'ont fait, eh bien, félicitations parce que vous avez été content de toucher peut-être le pool. Alors ici, le deuxième pool ici, il est 20 fois, eh bien, 10. On parle ici de 200 euros. Donc 200 plus 71, 271, 40. Mais là, vraiment, où je veux ben, vraiment attirer l'attention, c'est que vous pouvez aller chercher le maximum. Et Saphir nous donne le maximum si on est capable de faire un 8% au lieu du 4%. Si on est capable, par exemple, de faire 8 000 euros de chiffre d'affaires dans le rang de Saphir, dans le mois en cours, eh bien, vous allez aller chercher les trois parts. Donc, ici, le gâteau, la cerise sur le gâteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la part à 100 euros. Et généralement, la part du troisième pool, elle est beaucoup plus importante que la part du deuxième pool et que la part du premier pool. C'est normal. La société rémunère les gens qui travaillent. Et ceux qui travaillent plus gagnent plus. Et donc, ici, c'est quoi? C'est 100 euros fois 10, 1 000 euros. Vous voyez un peu comment de 71 euros en passant à 1 000 euros plus 200 euros supplémentaires, vous pouvez aller vraiment améliorer les conditions de vie du mois. Vous pouvez aller facilement régler les factures à la fin du mois. Et je ne parle même pas ici du fait que vous allez toucher le bonus pendant 6 mois consécutifs. Et oui, parce que la compagnie Saphir vous paye 6 fois le bonus que vous êtes capable d'aller chercher dans le mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'elle a décidé de vous donner le maximum qu'elle pouvait distribuer. Eh bien, ici, puisqu'on est des moteurs dans la société, on est des moteurs, puisqu'on est des leaders, on est des rubis, des doubles rubis, des saphirs et ainsi de suite, eh bien, on vous paye pendant 6 fois consécutifs. Et même si le mois d'après, par exemple, ben, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, eh bien, de toute façon, vous allez toucher la part du pool numéro 1, obligatoirement, pendant 6 mois. Vous partez en vacances 2 mois, vous inquiétez pas, tous les mois, vous allez toucher vos étoiles. Okay? Et vraiment, vraiment, moi, je trouve vraiment que la société nous donne vraiment on va dire, la tranquillité d'esprit, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que, ben, il y a des gens, par exemple, qui vivent avec 500 euros dans le mois, mais comment est-ce qu'on peut faire avec 500 euros dans le mois pour boucler les fins de mois? Là, ça peut vraiment donner une solution à beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont un SMIC, par exemple, dans certains pays, c'est seulement 100 euros, 50 euros. Imaginez un peu que ces personnes-là puissent gagner un 1 200 euros dans le mois. C'est énorme. Et je pense qu'ici, étant donné que la société nous donne, eh bien, le même avantage pour tout le monde, l'accessibilité à tout le monde au plan de rémunération, ben, je pense qu'elle a vraiment, vraiment, eh bien, le partage et le souci vraiment de votre bien-être financier, on va dire, à toutes les personnes qui sont, eh bien, capables de reprendre le contrôle de leurs finances. D'accord? Donc, ici, on vient de voir un plan de rémunération hyper, hyper intéressant. Moi, j'ai des gens dans mon organisation, eh bien, tous les mois, ils sont à, on va dire, 5 000 euros ou 2 500 euros, 3 000 euros. Ben, je peux vous dire que ça change beaucoup la vie de pas mal de gens, hein, ce genre de revenus, qui sont un revenu résiduel, qui sont des revenus résiduels parce qu'ils se sont qualifiés une fois dans le pool bonus. Je parle même pas de l'unilevel que l'on gagne instantanément et des rangs quand ils atteignent les rangs, les nouveaux rangs de carrière. D'accord? Voilà. Donc, les amis, je pense que ce plan de rémunération vous parle maintenant un petit peu plus. Si ça vous parle, mettez-moi un petit message dans le chat, mettez-moi un 1 si ça vous parle et si vous avez envie d'aller exploser ce plan de rémunération, d'aller vraiment aller chercher le maximum, je ne sais pas combien d'euros vous ferez plaisir tous les mois,
C'est peut-être 500 euros, c'est peut-être 1000 euros. La liberté financière, elle est différente pour certaines personnes par rapport à d'autres. Ça peut être un petit complément de revenu, du beurre dans les épinards, ça peut être un salaire entier, ça peut être 10 000 euros, 100 000 euros. Je ne sais pas quelle est votre liberté financière à chacun. Combien de, on va dire, mensuels ou journaliers vous voulez faire? Allez, vous allez me dire, bien sûr, le maximum, toi, c'est sûr, on veut le maximum. C'est clair, on se bat pour le maximum. Mais combien, par exemple, d'euros? Je ne sais pas, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, ça pourrait changer beaucoup de choses dans la vie des gens. Hein? Donc ici, vraiment, je pense que là, il y a une carte à jouer pour tout le monde. La société est solide, la société, elle continue, elle fait ce qu'elle dit. On a vu que le swap était sorti, on attend les chargements de protocole, on attend pas mal de choses qui arrivent aussi d'ici la fin de l'année, mais l'application V2 est là. La version iOS va sortir aussi très prochainement. Mais les amis, je peux vous dire une chose, cette société-là, OK, moi je trouve qu'il n'y a pas photo sur le marché aujourd'hui. Quelle est la société qui permet de dire, on est en train de créer un écosystème, on est en train de changer la façon dont les gens voient la décentralisation dans les crypto-monnaies, on est en train de créer une plateforme de tokenisation où on va tokeniser même des films de Hollywood. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le récap que j'avais fait par rapport à la dernière fois sur les news que l'on avait eues. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu les news du Smart Chain Forum. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, j'avais fait un récapitulatif de ce qui s'était passé il n'y a pas très longtemps donc sur le forum Smart Chain donc organisé par Zenith à Dubaï. On avait vu vraiment un panel de discussion, un panel de personnes. Il y avait 300. Les amis, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas une petite réunion en comité privé. On parle de 300 sociétés, hommes d'affaires qui étaient là pour tokeniser leur société. On parle de nouveaux bureaux en Suisse. Ramzik, la petite sœur de Zenith, Powered by Zenith. Ramzik qui organise toute la tokenisation dans Zenith. Vous savez, Zenith est en train de se structurer. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ça a changé de nom, c'est une autre société. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est la petite sœur, c'est la structure qui se met en place. On est en train de bâtir un holding, on est en train de bâtir un empire, les amis. On n'est pas en train de bâtir. On fait du business, la société fait du business et il faut être avec, bien sûr, les licences et tout ce qui s'ensuit. Ici, justement, Erwin Docteur était en train d'expliquer la tokenisation dans l'immobilier. Okay? Ben ça, c'est vraiment génial. On va bientôt également pouvoir se positionner dans de la tokenisation de l'immobilier. Alors préparez-vous les amis, ça va sortir là d'ici 2023 et je pense que vous allez être super excités de pouvoir dire, voilà, je détiens des jetons d'un système immobilier, d'un concept immobilier. Ha! Aujourd'hui, l'accession à l'immobilier, ce n'est pas évident avec ce qui se passe dans le traditionnel. C'est tellement compliqué, il y a le notaire et il y a tout ça, il y a tout ça. Aujourd'hui, avec la tokenisation, c'est accessible, abordable à tout un chacun. Okay. Et surtout une chose, c'est transmissible à nos enfants, à nos familles, sans passer par le notaire. Pedro César, ici, l'avocat de la société, parlait justement de cela, parlait de tout l'écosystème, on va dire, légal au niveau du software de Ramzik Zenith, l'écosystème du software développement, la technologie recherche et développement. Et n'oubliez pas également ici, le ledger technologie, les métaverses, les NFT. Tout ça arrive avec des nouvelles licences qui ont été créées à Dubaï pour Ramzik, pour la licence NFT, et j'en passe. Le Zen ID, c'est quoi? Le Zen Pass, ben ça aussi, c'est quelque chose d'innovant. On va dire que Zenith a innové en matière d'identification de passe. C'est-à-dire qu'à tous les événements où vous allez vous présenter, eh bien, vous allez juste scanner votre Zen Pass. Plus besoin d'acheter des tickets ou autre. C'est directement là. Un exchanger comme Bitmart également qui va lister le Toupane, le Zenith. Ça, c'est génial. Le ZenCon de l'année dernière, enfin, pas de l'année dernière, de cette année. Je suis déjà en 2023, moi, les amis. Vous avez vu un peu? Je vais aller vite, hein. Alors, le ZenCon de cette année, c'était en juin. Plus de 200 hackers, programmeurs du monde entier se sont réunis. Là, je peux vous dire que ça cogitait dur, hein. 200 développeurs, 68 heures de travail non-stop, 100 000 euros de prix distribués par Zenith pour les gagnants, parce qu'il y a eu un challenge. Et vous savez quoi, le ZenCon, c'était à Playa del Carmen, au Mexique.
en juin cette année et l'année prochaine. Est-ce que vous savez d'où est-ce qu'il va arriver le Zencon? Il va arriver de Rio de Janeiro. Alors, on va pouvoir y aller. Rio de Janeiro, génial. Voilà. L'application. Alors, comment synchroniser? Je vois une question. Alors, attendez un petit moment, s'il vous plaît. On est en train de préparer un tutoriel. Vous allez avoir des news par rapport à ça. L'application, elle est déjà téléchargeable. On va pouvoir avoir un Messenger également sur notre application comme Facebook Messenger, mais on va dire plus à la version décentralisée. Hein, décentralisée. Impossible à pirater votre Messenger. Imaginez un peu, c'est Zenith, fantastique. On va pouvoir se passer des crypto-monnaies par le biais du Messenger, rien qu'en faisant des copier-coller. Vous imaginez un peu, c'est quoi qu'on est en train de développer là, les amis? C'est un empire. La tokenisation des films, du cinéma. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça, c'est Zenith Technologies. Alors, Brésil, oui, effectivement, ceux qui veulent aller au Brésil. Alors, vous avez vu l'entrée également de Ilan Dogan au niveau de la société. Ilan Dogan, c'est un networker, on ne présente même plus. Si vous ne le connaissez pas, allez sur Google, vous allez voir beaucoup de vidéos YouTube sur lui. Il a notamment créé le succès de Jeunesse, il a créé le succès également de LR, pour ceux qui connaissent un peu ces produits-là. Ilan Dogan, ici, avec le film de sa vie, sera tokenisé par Zenith Technologies. Ah, pour la première fois, un film sur le network marketing. C'est génial, hein? Et vous imaginez, ça, ça va passer à Hollywood. C'est un truc de fou, hein? Donc, les amis, en plus de ça, c'est nous qui allons tokeniser ce film. Vraiment trop, trop excitant par rapport à l'année 2023 qui arrive avec Zenith. Alors, pour l'application, juste un petit moment, comme je l'ai dit, l'application, elle est synchronisable. Oui, mais il y en a qui ont des difficultés. On prépare un tuto. Ça devrait sortir d'ici dimanche. Et là, vous allez pouvoir savoir comment vraiment synchroniser votre application, comment utiliser la version 2 de l'application, comment utiliser le swap. Et il y aura également les pools de liquidité, tout ça qui vont être ajoutés. Il y a des protocoles qui sont ajoutés. Pour les Apple, on attend juste les autorisations Apple, la sortie sur l'iOS, une petite semaine, je pense, quelques jours même, peut-être, ça va être annoncé bientôt. La carte de débit, quand est-ce qu'elle sera pour l'Afrique? Bientôt. Je sais que la carte de débit de Zenith sera disponible, je pense, d'ici janvier. Après l'événement, je pense qu'il y aura des annonces à l'événement donc du Global Summit en décembre, où on va voir la carte expédiable, on va dire, pour le monde entier. Actuellement, c'est pour l'Europe. Bah, si vous êtes en Europe, demandez la carte maintenant. Si vous voulez une carte, juste pour avoir la carte, OK, mais c'est mieux d'avoir la carte avec pleine commission dessus. OK? Donc, les amis, si vous voulez la carte de Zénith, remplissez-la avec plein d'argent, c'est encore mieux, hein? C'est encore mieux. Et ça va aller beaucoup plus vite au distributeur quand vous allez aller faire des retraits ou vous allez aller au magasin. Mais prévu normalement janvier. Attendez un petit peu. Ça peut être un petit peu après, ça peut être un petit peu avant. On attend les news du Global Summit. On va y aller, on va se déplacer. Et bon, pour ceux qui y vont, hein, d'ailleurs, pour ceux qui y vont au Global Summit, bien, faites-moi un petit coucou, que ce soit sur Telegram ou sur autre. Et nous, on va y aller. Et ce serait intéressant de se voir là-bas. D'accord? De participer avec nous. Il y aura peut-être des choses, des surprises, des choses comme ça. Voilà, hein, ce sera très intéressant, je pense, de se connaître là-bas. Voilà. Pour les DOM, c'est pareil. Quand ça va open le monde entier, ce sera pour les DOM-TOM, ce sera pour l'Afrique, ce sera pour tous les pays du monde. Hein. Alors, question de SIM. Est-ce possible d'obtenir des gains de parrainage sans activer son compte? Vous pouvez obtenir des gains de parrainage, mais vous devez activer le compte promoteur. Voilà. Parce que si vous êtes un simple client, vous n'aurez pas le back-office et vous n'aurez pas le plan de commissionnement. Activez-le dans votre back-office quand vous vous inscrivez. Vous avez un onglet promoteur, quelque chose comme ça. Vous activez là et boum, vous allez recevoir le plan de compensation en entier. Voilà. OK, on était 123 aujourd'hui sur le workshop. C'était un plaisir pour moi. Il est presque 10h moins 5. Merci, j'espère que vous avez apprécié le plan de rémunération un peu plus détaillé, un peu plus fractionné, fragmenté, pour vous donner vraiment la nourriture, on va dire, importante, hein, pour bien comprendre ce plan. Les amis, Zénix, c'est fantastique. Je vous dis une chose, si vous êtes capable de travailler, d'être focus pendant 90 jours ou un petit peu plus, ça dépend de la vitesse où vous allez. Mais 90 jours, c'est quoi 90 jours dans une vie? C'est rien du tout. 90 jours, c'est rien du tout. Un petit effort. Si vous avez déjà fait des efforts, ne soyez pas fatigué.
parce que vous allez faire des efforts pour votre vie entière. Ne soyez pas fatigué. Je comprends qu'on puisse être fatigué quand on travaille pour un patron, mais là, il ne faut pas être fatigué parce que vous travaillez pour vous-même, vous travaillez pour votre futur, pour la famille, pour les enfants, pour les générations suivantes. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tout le monde. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas dimanche, le call avec Gernot Winter, qui est le PDG de Avinoc. Il sera spécialement sur notre Zoom en français. On va le traduire, bien sûr. Et il sera avec nous, Avinoc, le patron d'Avinoc, spécialement. On a demandé, il a accepté. On a booké pour vous dimanche. Ça sera 7 heures du matin, il me semble, pour la Polynésie. Ça sera un peu 6 heures du soir pour Paris. D'accord? Dimanche, hein, 18 heures, il me semble. Hein. Allez voir dans le groupe Telegram, on a mis le planning pour ce dimanche avec Avinoc, spécial Avinoc Gernot Winter, qui sera notre invité spécial. Et on va pouvoir décortiquer un peu ce que c'est Avinoc avec lui tous ensemble. Et je pense qu'on pourra peut-être faire un panel questions-réponses avec lui. Voilà. C'est bon, les amis. Allez, à très bientôt. Bon courage à tous. Allez, explosez-moi ce business. Et on se revoit, bien sûr, pour le reste des présentations et pour le reste du planning pour la semaine prochaine. Bye bye. Here I feel defeated, a problem. You love me no longer.
To freedom. Well, who am I?
Recording stopped.